Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog atelier. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé à l'atelier. Voilà, c'est vraiment des vidéos que vous me demandez très souvent, mais c'est vraiment compliqué pour moi de filmer pendant que je travaille parce que ça me rend beaucoup beaucoup moins efficace. Mais voilà, là on est les 14h30 à peu près. Je vais passer l'après-midi un petit peu à tourner, à faire quelques trucs. Et puis je me suis dit que allez, je vais prendre le téléphone et vous filmer. Je filme avec mon téléphone. La qualité est pas ouf. J'ai été à la piscine à l'heure du déjeuner pour nager. Donc j'ai un peu les cheveux mouillés. J'ai bien nagé. Donc j'ai un peu la tête épuisée. Mais voilà. Donc je suis en plein dans la fabrication de la collection Écume, qui est donc la nouvelle collection. Donc j'ai déjà fait une vente. Il y a déjà eu une vente, donc tout est parti très très vite, donc je suis contente parce qu'elle plaît. Et là donc je refabrique vite pour remettre en stock déjà en magasin, parce que je n'ai pas encore la collection Écume au magasin, et pour faire un petit peu une vente en ligne. Donc voilà, il y a déjà pas mal de bols que j'ai tournés, et ce matin j'ai tourné des mugs. Et j'ai fait un petit peu. Non, il est là mon établi. J'ai préparé un petit peu des boules. J'en ai déjà quelques-unes qui sont ancées, des mugs. Voilà, mais sinon, voilà, cet après-midi, je vais tourner un petit peu des mugs, repétrir un peu de terre et tout ça. Voilà, je vous disais vite fait que j'avais des anses déjà qui étaient. Des mugs qui étaient déjà ancées, pardon, que j'ai fait le week-end dernier. Donc elles sont là, elles sèchent tout doucement parce qu'elles commencent à faire chaud. Donc voilà, quand je fais des collages, il faut mieux que ça sèche lentement. Et là, j'ai donc quelques boules qui sont déjà pétrites, qui sont déjà prêtes. Je pense que je vais en refaire un petit peu, histoire d'avoir une bonne quantité et de pouvoir tourner un peu tout l'après-midi. Voilà, je viens de pétrir dans quelques boules pour pouvoir tourner un petit peu toute l'après-midi. Là, je vais retirer les mugs que j'ai tournés ce matin, c'est-à-dire que je tourne tout sur rondeau. La porcelaine, c'est presque indispensable parce qu'en fait, elle est tellement molle et elle se déforme que si je retirais les pièces. Désolé pour le scooter. Si je retirais les pièces. Ah, excusez-moi, il y a 10 scooters en fait. Si je retirais donc les pièces une fois que j'avais fini de tourner, en fait ce serait beaucoup trop mou. Donc il faut que ça raffermisse un petit peu. Donc maintenant que c'est bien assez raffermi, je peux passer le fil, je les retire. Je vais les ranger là au fur et à mesure sur les étagères pour qu'elles sèchent. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que celle-ci je vais mettre des anses. J'ai plus l'habitude, je ne mets plus d'anses sur les pièces, donc il faut que je reprenne l'habitude. Donc non, maintenant qu'elles sont bien comme ça, je vais les mettre sur mon établi. Je vais regarder un peu la consistance qu'elles ont. Soit je mettrai un plastique, soit je les laisserai un petit peu sécher pour coller les anses, parce qu'il faut qu'elles soient un peu raffermies, mais pas trop non plus. Voilà, c'est un petit peu subtil le collage d'anses. Donc voilà, je vais faire.
Bon bah voilà, j'ai fini ma petite session de tournage, donc mon bazar là-bas, mais tous mes mugs, tous les mugs, il y en a aussi ici. Voilà, j'ai pas fait autant que ce que je voulais parce que j'ai pas mal de clients aujourd'hui en magasin. Mais voilà, donc demain je poserai les anses et tout. Moi je vais arrêter le vlog ici. J'en profite aussi pour vous dire, parce que on me demande très souvent de refaire ce genre de vidéos, que vous aimez bien me voir travailler et tout. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Les Petites Porcelaines, où je poste en fait tout le temps des vidéos où je travaille, où je tourne, des photos, où on voit l'évolution au fur et à mesure des semaines en fait de la fabrication. Donc voilà. Si vraiment ce contenu vous intéresse et que vous êtes un peu frustré parce que j'en poste pas beaucoup sur YouTube, vous avez le compte Instagram Les Petites Porcelaines, voilà. Je vais essayer peut-être de faire des petits vlogs comme ça, plutôt que sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce sera peut-être plus facile à publier. J'espère que le contenu vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine.